C'est un premier conseil de cabinet du nouveau gouvernement de Clément Mwamba qui intervient au lendemain de la publication de la nouvelle équipe de l'exécutif. Après avoir dicté les orientations fixées par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre a rappelé aux membres de son équipe les défis à relever pour surmonter les difficultés économiques que traverse le pays. C'était pour le Premier ministre l'occasion de nous rappeler les grandes échéances qui viennent. Vous le savez, nous sommes presque fin août. Nous avons comme perspective la préparation du budget de l'État pour l'exercice, la loi de finances pour l'exercice 2018. La situation avec le Fonds monétaire international est, à notre avis, maîtrisée. Même le président de la République lui-même l'a dit. Nous allons nous prendre de la meilleure manière possible, je veux dire, telle qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Parmi les quatre arrivants dans ce gouvernement dit de l'efficacité, deux connaissent déjà les dossiers qui les attendent. Nous sommes un pays à vocation de transit. Le président de la République a fait l'effort de mailler le pays d'infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires. Et il nous faut travailler, il faut maximiser les recettes dans ce secteur. La culture, c'est ma maison. J'ai travaillé au département de la culture pendant plusieurs années. La vision, c'est celle du président de la République. Et donc nous sommes là pour exécuter le programme du président de la République. Ce conseil de cabinet tenu à la primature précède le conseil des ministres qui est présidé par le chef de l'État.